Le ministre iranien des Transports, Abbas Akhundi, dit que son pays prévoit d'acheter 114 avions européens Airbus. S'exprimant au sommet iranien de l'aviation 2016, il a déclaré que Téhéran allait discuter des détails de cette transaction la semaine prochaine. Les médias iraniens citent le ministre disant que l'accord sera signé entre Iran Air et Airbus quand le président iranien Hassan Rouhani visitera Paris mercredi. Selon M. Akhundi, l'Iran pourrait avoir besoin de 500 nouveaux avions pour moderniser sa flotte. Il a aussi déclaré que l'Iran négociait avec le constructeur américain Boeing. Un autre responsable iranien fait savoir que l'Iran pourrait lui en acheter plus d'une centaine. Le sommet de dimanche a réuni les représentants de l'aviation de 85 compagnies. Le rassemblement a lieu en coopération avec le Centre pour l'aviation en Asie-Pacifique, un groupe de consultants et d'analystes de ce marché. Nous allons investir plus de 250 millions de dollars pour améliorer notre système de navigation et de gestion de l'espace aérien, de façon à maintenir la sécurité pour tous les transporteurs qui passeront sur le territoire iranien.